Hello, donc on se retrouve pour la suite du jour 6 de Risa. Non. Et du coup, voilà, il y a des gens un peu bizarres. Ah merde. Comme ça. Bon allez. Bah si on pouvait courir aussi vite dans le jeu, ça serait bien. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à Dragon Quest. Au vieux Dragon Quest, cet endroit. Ah, c'est peut-être dans le 5 ou... Ouais, à un moment on est des esclaves machin. Enfin bref, je vais pas spoiler. Il y a quand même un design de bateau un peu bizarre. C'est orangina rouge. En plus, ça ressemble trop à des orangina rouges les méchants là. Pourquoi êtes-vous aussi méchants? Non, mais c'est sûr, c'est une référence orangina rouge. Alors, vu que c'est pas une musique de combat de boss, on va dire qu'ils sont nuls, donc on va les bourriner. Et on a l'air de type feu, donc Pipin devrait leur faire assez mal. Ouais, on va bourriner. Ouais, voilà. J'ai bien fait. Pas envie de me soigner pour rien non plus. Puis te cuisiner. Un peu n'importe quoi lui encore. Hein, donc on pige absolument rien, ce qui se passe c'est normal. Hein. Voilà, bah comme ça ils monteront pas dans le même bateau avec sa mère, mais... on les abandonne comme des merdes. Voilà, là, ça fait un peu penser aux Styx, hein, la rivière en enfer, dans la mythologie grecque. Hein? Voilà. On a des mondes assez sympas quand même dans le jeu. Et là on se retrouve face à une femme poisson. Pas la peine d'en appeler un Rudra, c'est pas mal ça.
C'est la version Ludola Noyo. Pourquoi il demande ça? On le savait déjà ça. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il valait mieux faire en deux fois ce jour-ci. Parce que vous voyez là on est déjà presque... On est déjà à plus de 6 minutes et il s'est toujours rien passé, enfin à part des dialogues. Ah mais c'est de l'eau en fait. Je pensais que c'était du sang ou un truc comme ça. Pas de la lave hein, sinon le bateau flotterait pas dessus je suppose. Mais ouais, bah c'est peut-être du sang hein, après. Elle nage dans le sang. Voilà le village caché hein, qu'on connaît parce qu'on a déjà vu avec l'autre gosse qui est avec Silent. Village caché qu'on ira visiter hein, d'ailleurs. Donc là, ils réutilisent exactement le même décor que tout à l'heure. Ils sont pas cassés le cul. C'est sympa, il y a quand même beaucoup de mondes différents, des trucs de lave, d'eau dans le ciel. Là on a le monde souterrain, enfin le monde des ombres. Là on a un magnifique décor. Alors là, ce qu'il faut faire, faut surtout pas omettre se lever. Toujours pas. En fait, si on se levait, on devait combattre des monstres et on gagnait rien. On obtient ça. Mais sinon, si on s'était levé, on l'aurait pas obtenu. C'est un peu bizarre comme ça, il n'y a ni décor ni. L'autre elle se rendort comme une merde. Il n'y a ni décor ni musique, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il dit ça, mais il a fait semblant de dormir lui aussi. Hein. Ah, ah. Ce nom cliché de sirène, quoi. Marina.
Bah, je sais pas ce que c'est ce délire d'œuf, j'ai pas trop compris. C'est sympa parce qu'on a des races différentes dans tous les groupes. Un géant avec Sion et un Danan. Avec Salent. Ah, Salent, il y a que des humains. Quoique, c'est peut-être un Danan l'autre. Le gamin, je sais pas. Non, c'est un humain aussi. On a toutes les races du coup. Quoique, attends, il y a géant, reptile. Danan. Sirène. Ouais, si, si, il y a toutes les races. Et du coup, on va regarder ce que donne cet arc. Fungus. Ah oui, c'est quand même pas mal. On passe. Ouais. Ouais, on va faire ça. On va le foutre en arrière. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, c'est pas grave. Ah, il obtient des lances, ok. On va mettre ça. Bon. Elle a un peu un équipement de merde pour l'instant, mais bon. Vous voyez qu'elle a pas mal de magie, c'est la deuxième en magie. Et au vie, ça va, ouais, c'est pas trop mal. Et vu qu'elle a. Vu qu'elle a un truc anti-eau et un truc anti-vent, hein, c'est assez sympa. Enfin, un truc anti-eau plutôt. Ça, un truc anti-vent, c'est ce que je viens de lui mettre. Par contre, elle tient un des lances, du coup, elle peut mettre de bouclier vu que c'est à deux mains. Et j'ai pas encore de casque pour elle. On va se soigner là. C'est parti. Une blague d'ado et il dessine lui des bites sur les joues pendant qu'il dort. Des fois les dialogues on bite rien, mais bon, c'est pas grave. Alors là il sort son feutre. Vas-y. On va bourriner. C'est pour ça hein, que l'essence de moi, la Power HP là, c'est. Enfin, le truc qui augmente l'attaque, c'est vraiment. Sans doute la meilleure essence de mots du jeu quoi, c'est... Putain de merde, on me défonce. Seulement cette essence de mots parce que vous voyez que sur la longueur il peut vraiment nous démonter hein, parce qu'il fait il y a des chances de nous tuer presque d'un coup les persos, enfin pas presque, il peut nous tuer d'un coup les persos. Voilà, le monstre est en fait la graine de l'arbre.
Alors, si vous avez pas compris, on est con, hein. Le gars, il a un mot du champ lexical de la connerie dans chacune de ses phrases, tu vois. Idiot, bête, con, attardé. Alors. C'est un jeu vidéo, hein, la sortie elle est tout droit. Mais nous on va retourner en arrière. Pourquoi? Bah parce qu'en fait on va se soigner. C'est important de se soigner parce que on va avoir d'autres combats derrière. On s'est un peu fait lyncher quand même. Alors eux, je crois qu'ils sont pas très costauds, on va essayer de les tuer. Ouais voilà. C'est bien ce que je pensais. Voilà, tout simplement la sortie était là, c'était pas très compliqué. Voilà, donc il fallait se soigner. On va faire la même chose, hein. Ça c'est joli ça. Bon, il m'a démonté, mais c'était joli. Non. On va faire... Si ouais, on va faire comme ça. À partir du moment où les membres de l'équipe ont tous assez de MP pour faire des sorts pour ressusciter des dégâts et tout, le jeu devient beaucoup plus agréable. J'aurais dû soigner. Je suis un boulet. C'est pas grave, hein. On doit s'en sortir, elle est pas très forte. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Putain, les boss, ils nous font tellement XP. C'est bien parce qu'elle a failli nous tuer, mais c'est pas grave. Hein. Prendre un, on va mettre là. On voit qu'il y a eu une couille dans la traduction, parce qu'en fait, vous voyez, c'est marqué son nom à chaque fois, c'est marqué Carla 2 points. Et en fait, quand on nous a donné l'essence de mot, ça a mis l'essence de mot avant son nom, et du coup, ça a fait un gros mélange dégueulasse. Pura Carla, alors que c'était pas du tout ça l'essence de mot. Hein. Voilà, donc on va se barrer d'ici. Attendez, il nous a donné une Moon Ring. Je sais pas si c'est mieux. Non, j'ai gardé ça, parce que ça lui fait une vitesse assez puissante. Ça veut rien dire, une vitesse assez grande.
voilà. Donc ça c'est Kulgan hein, dans le corps de Silent. Ça va, je pense qu'on peut se le faire. Bon, je sais pas ce qu'il nous parle avec sa revanche là, parce qu'on l'a jamais combattu en fait. Peut-être que je l'ai loupé un moment. Ça va, il est pas très fort. Il est résistant quand même, hein. Il y a des bons petits sorts. Alors vous voyez que ma technique hein, c'est un petit peu la même pour tous les combats de boss. Mais bon, il y aura peut-être des trucs un peu plus évolués après. De toute façon il y a des boss qui craignent pas trop les attaques physiques donc... On commence à me saouler. Comme d'habitude, on a toujours l'avantage quand on est plus rapide que le boss. Allez, tu rigoles moi là, hein. 586 dans la gueule. Dégâts doublés plus coup critique. Et on obtient une Moonring à nouveau. Pas trop par où faut aller. Ouais, je descends. Hein. Parce que bien, ce qu'on peut fuir 4 fois maintenant. Mais par contre, c'est plus long pour fuir. Faut appuyer plus de fouet sur les touches. Je sais pas trop par où faut aller. Hein. Ouais, on va faire ça. J'aurais dû couper la vidéo avant, c'est pas grave. Elle va durer un peu longtemps. Ok. Bon. En fait j'ai juste un endroit pour sauvegarder en fait. Du coup c'était l'autre côté. Bon, on va faire tous les combats. Hein. Enfin, si on peut. Faire gaffe de pas crever. Ça, on s'en fout. Ça serait bien qu'il y ait une touche pour faire fuir tout d'un coup, tous les persos d'un coup. Parce que dans le jeu, c'est un peu bizarre, les... pour fuir les combats, c'est chaque perso essaie de fuir le combat en fait. Et si on a un qui arrive, ça marche. Voilà, donc on est au jour 7. On a ramené le Saint Graal, on a trouvé la graine de l'arbre qu'on devra planter pour purifier la terre. Mais on verra ça un peu plus tard. Et je vous dis bah, à la prochaine pour la suite du jeu. Donc je sais pas si je vais... arrêter... si je continue Sion ou si je continue Risa, on va voir. Alors, on verra ça. On verra ça, mais je vous dis à la prochaine vidéo en tout cas.
J'espère que vous appréciez toujours. N'hésitez pas à mettre vos essences de mots, même si je vais tellement vite dans le jeu que j'ai de le finir avant que vous voyez cette vidéo, mais c'est pas grave. Et du coup, bah voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît toujours, parce que ça fait quand même presque 10 ans hein, que j'avais commencé ce jeu. Je prends vraiment du plaisir à le refaire. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et puis je vous dis à la prochaine. Salut !